Bon, on a eu la mauvaise fin. Mais par contre, j'ai pas compris. En fait, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris sur les sauts. Peut-être que Maëlle est encore là et peut nous aider. Il y a un truc que j'ai pas compris sur les sauts. Ouais, je crois que c'est ça hein, qui m'a fait rater. C'est l'ordre des... L'ordre pour les placer sur la marque, je pense. Hein. Et ça, j'ai pas compris comment ça marchait. J'ai pas compris comment ça fonctionnait, l'ordre. Aller voir sur l'ordinateur et tout. Ah ouais. Mais moi je pensais que si t'avais les 4 sauts c'était bon quoi. Oh c'est plus compliqué que ce que je pensais. C'est pas archi bien expliqué. En fait je pense que c'est un coup de main à prendre. Et je l'ai pas du tout. Attends, on va retourner, on va aller voir. Je crois que c'était 11255. Ah non, c'est peut-être pas le même code à chaque fois. Hop. En fait, il me l'a expliqué, mais... 6948. Très bien. Et c'est vrai que c'est clic droit pour quitter. Ça change à chaque game le code. Ok. Et du coup, tu vois... On va aller voir les sauts. S'il y a un truc que j'ai quand chaque démon convoiteur par terre l'une des trois maisons. Ça, j'avais pas capté. J'avais pas capté en fait qu'il fallait les mettre dans un ordre. Ah, en fait j'avais pas capté. J'avais pas capté qu'on pouvait cliquer. Ok, bon, écoutez. C'est des choses qui arrivent. En plus on est tombé directement sur la bonne. Parce que c'était sûr, c'était 8 démons. Le problème étant que... On a juste pas mis le bon saut dessus, quoi. Bon, cette fois-ci, c'est une enquête qui va être rondement menée, moi je vous le dis. Après, je peux pas en vouloir à un mec qui a fait un jeu tout seul. Hein. On va commencer par vous, madame. En tout cas, merci pour ces précieuses informations, Maëlle. C'est cool. Mais oui, c'est vrai que les enquêtes, c'est jamais facile. Mais je pense que j'avais la bonne personne, parce que pour ceux qui étaient là depuis le début, ils ont vu que quand même c'était... C'était quand même... C'était solide. 24 ans, Pépita. C'est jeune pour mourir, ça. Oula. Ça, c'est pas Jojo, ça. Pour l'instant, je vois pas trop de mouvement. Il y a le démon avec nous, là. Ok, rien sur la jambe. Rien dans le dos. Pour l'instant, ça va. Ça a l'air de pas trop bouger. Ça a pas l'air d'être elle. Après... Ok. C'est mon âge. Très bien. Ne bougez pas, madame, j'arrive. Attendez, je ferme mon recueil sur les démons. 24 ans. Épaule droite. Bras droit. Ouais. Jambe droite. Ok. Bon.
Et comment tu sais à quelle maison il appartient? Ça, c'est juste parce que si t'as ces quatre-là, ça peut être que ça? Ou il y a un truc que j'ai encore loupé, Maël? Voilà. Ah! Bonjour, monsieur le démon. Hello? Hello. Rebecca? Rebecca? What the? Oh, il change là. Oh non, ça c'est pas cool. Il change les places des trucs. Oh, les petits bâtards. Mais on voit rien. Logiquement, si les quêtes correspondent à une maison, c'est le bon ordre. Ça va, ils ont pas poussé le bistrot trop loin non plus, quoi. Ok, ils changent la place des objets. Ouais, il y a pas 10 000 combinaisons, enfin, il y a 10 000 combinaisons, mais... Ah, c'est là. Nickel. Ok, j'ai ça, mais... Les aiguilles. Non, mais je pense que tu ne te trompes pas. Hein. Je te fais confiance. Hop là, on vous ferme la bouche, madame. Allez hop. There we go. Super nickel. Maintenant, il me faut les cache-œil. Je les ai pas vus. C'est ça, non? Putain, on voit rien avec la luminosité, là, c'est terrible. Ah, ils sont là. Très bien. Hop là. Ouvrez grand. Faites A. Nickel. Là, il me semble que c'est le liquide. C'est ça. En tout cas, j'aime bien le fait qu'il ait changé les... Vu qu'elle bougeait, dommage. Le fait que les... Que les trucs bougent, c'est cool quand même. Ok. Le Z. De toute façon, je pense qu'on pourrait les changer de place. Hein. Qu'est-ce qui nous manque du coup? Le méthanol et l'humectant. Est-ce que lui on l'a mis? L'humectant. Non. Allons-y. Et le méthanol, il est juste là. Nickel. Bon, alors à moins que ce soit très subtil et que je vois pas, elle a pas l'air de beaucoup bouger cette dame. Hein. Scalpel. Ah, ça, je les ai pas vus encore. Attendez, parce que... Je veux bien que le jeu soit sombre et tout, que ça fasse un peu peur, mais... Il y a quand même une petite limite à ne pas franchir. Et moi, quand je ne vois rien, il y a quand même un moment où il faut que je mette un peu de luminosité. Parce que vous, sur le stream, ça va. Moi, mon écran, il est bresson, hein. Attends, ils sont où les scalpels là? J'ai vu qu'il pouvait y avoir des trucs dans la morgue tout à l'heure. C'est quoi ça? C'est sac poubelle? Où sont les scalpels? Alors là,
Je suis totalement perdu. Ils peuvent pas être dans la salle de bain, les scalpels. Je pense pas. Hein. Je vais aller voir, mais non. Bah. On va regarder d'ici. Là, je vois les... Je sais plus comment ça s'appelle, le troncard, là. Mais... Ah, ils sont là! Sous mes yeux, quoi. Alerte au gogol, les enfants. Alerte au gogol. Alors... Il me faut les tubes aussi. Nickel. Ouais. Hop. Pince à clamper. Tube. Retour. On lance la machine. Une poche de transfusion. Mm-hmm. Elles sont là. On referme. Et voilà comme neuf. Let's go Tom, ce qui prend un abonnement de niveau 1 et mes alertes qui sont complètement cassées. Et merci beaucoup Tom pour cet abonnement de niveau 1. Bienvenue. Let's go et mes alertes qui sont pétées. J'en suis désolé, je sais pas pourquoi. Merci beaucoup pour cet abonnement de niveau 1. Bienvenue. Welcome, welcome. Bah, je l'ai rempli ma poche de transfusion, non? That's not it. Qu'est-ce que... Merci beaucoup pour ton sub, en tout cas, mon cher Tonts. Merci beaucoup, et désolé que l'alerte soit cassée. Il faudrait que j'aille voir pourquoi ça ne marche pas. En tout cas, ton nom s'est affiché, il y a la musique de Jojo. C'est l'essentiel. Il y a des problèmes aussi sur les alertes follow, donc je pense que je me suis foiré quelque part. En tout cas, merci pour ce soutien exceptionnel. Mélanger les inactoyants. Ok, c'est dans la salle de bain. Petit jumpscare ou quoi, là? Hein? Ça fait longtemps. On va nettoyer cette vilaine pompe. Hop. Après, il faut qu'on lui mette un peu d'hydratant sur le visage. Madame, vous êtes toute sèche. Bon, c'est pas elle, hein. Ou alors, c'est moins obvious que la première fois. Mais... All right. Et voilà, comme naze. Attendez, elle vient d'ouvrir les yeux, non? Non, je pense que c'est la mieux idée qui m'a fait croire qu'elle avait ouvert les yeux. Merde, c'est fermé derrière moi. Hop là! Je vous mets ici. Est-ce que je la range? Quand même, un peu de respect pour les morts. Allez hop. Maintenant, on va faire Angélique Vincent. Step by step. Ou Angélique Vincent... Angélique Vincent, elle est...
Sa mort paraît plus naturelle, si je puis me permettre. Elle m'a l'air d'être moins... Angélique Vincent, elle a des ecchymoses partout. Hein. Qu'est-ce qui vous est arrivé, ma chère? Pour l'instant, j'en ai vu aucun avec des trucs dans le cou, genre... Pour l'instant. C'est bon, on est bon, Angélique. Vous avez plus rien. Ah, si. Au bûcher. Tu penses que c'est Angélique? Attention, c'est pas parce que... Enfin, je sais pas. Hein, j'ai 83 ans. Bon. Plus logique, du coup. Grain de beauté sur l'épaule droite. Ok. Contusion sur le bras droit. Contusion sur la jambe droite. Rougeur sur la jambe gauche. Très bien. Confirmons. Ah, il manque quelque chose. Donc j'ai pas tout vu. Et pourtant... Attendez, je me suis pas gouré. Épaule droite, grande beauté. Contusion, bras droit. Contusion, jambe droite. Rougeur, jambe gauche. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose, manifestement. Angélique, elle avait encore des secrets à nous donner. Ah oui, sur sa main, en effet, il y avait des petites rougeurs. Hein. Des petites rougeurs. Hein. Angélique, elle est abîmée, Angélique. Hein. Quoi? J'ai encore oublié quelque chose? Bon, Angélique. Qu'est-ce que vous nous cachez encore, Angélique? Il en manque deux, mais comment t'as pu voir? Ah oui, sur le visage! Mais oui, regardez-moi sa joue, là. Here we go. Il en manque deux, mais comment t'as pu voir qu'il en manquait? Ok. Ah oui, 6 sur 6, bien vu. Bien vu. Ouais. Très bien vu, ça. Nickel, ok. Bon, j'arrive Angélique, mais elle est plutôt calme elle aussi. Hein. Je sens que ça va être un démon sneaky, ça. Vous êtes sneaky, Angélique? Bon. L'aiguille. L'aiguille. On va vous fermer la bouche. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah si, j'ai le... Ah, je l'ai pas ramassé, ok. My bad. Oui, pourquoi il faut se brosser les dents? There we go. Ah oui, je l'ai pas vu. Ça peut aider certaines personnes quand on leur ferme la bouche, on voit un sourire, et dans ce cas, c'est souvent le démon. Hein? Aïe, 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 aïe. Bah, je dois t'avouer que la première enquête, c'était plutôt obvious. Après, si j'avais su qu'il fallait tout mettre dans l'ordre, ça aurait été un peu plus obvious. Les cacheux, ils étaient où? Ah, ils étaient là. Ok, Angélique. Ok, Angélique, tu commences à me... Attention, parce que le démon peut contrôler des autres entités. Et pour un moment, c'est la seule qui m'a fait quelque chose. Ok. Maintenant, c'est l'heure de faire la mixture. Est-ce que ce serait pas le moment de se prendre un petit parchemin de... Je sais plus comment ils appellent ça, mais... On va faire un petit tour pendant qu'on lui vide le sang, là. Ah, il faut d'abord faire l'inciseau, scalpel et tout.
Bon, on fait notre incision et on va faire un petit tour. Les tubes, ils sont là. Alors. Oh. J'ai vu un sourire, non ? Je crois. Elle sourit là. Ah, pas sûr. Ah, je sais pas. Elle est où la marque du coup? Elle est là. Ok. C'était ça, je pense, hein. Attendez. Je vais revérifier. Au mieux vaut être sûr. Hein. Ouais, ça y ressemble. Ouais, en fait, non, pas trop. Ce serait plus celui-là, non? Comment on retire ? Ah, il faut changer, d'accord. Ce serait celui-là, du coup, plutôt. Ou celui-là. Quatrième sur la deuxième ligne. Ouais, j'avoue. Le problème, c'est que y a pas assez de luminosité. À chaque fois, on a d'autres ombres qui nous. Oh. 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 Ouais, c'est ça. T'as raison. Putain, mais Mal qui carry le stream. Hein. Je tiens à vous le dire, ça carry le stream fort. Hein. Poche de perfusion. Nickel. Ne bougez pas, madame, ça va pas faire très mal. Rebecca, come here. Come here now. Oui, papa, j'arrive. Mom. Elle est où, grand-mère? Hate me all you want. He's dead because of you. You should be the one here. Lifeless. Worthless. Wait on this part. It's me. Tranquille. Bon, on en était où, madame?
There we go. Un peu de mélange maintenant. Voilà, on va nettoyer le bord, le bousin. Hydratant. Attends, qui est là? Ouais, je pense pas que ce soit elle. Hein. Je pense que c'est la dernière. Ou le dernier, hein. J'ai pas encore regardé qui c'était. Sherwood Proctor. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme. Monsieur Sherwood. Oui, balèze. Est-ce que c'est vous le démon ou est-ce que c'était Angélique au bûcher? Oh, j'ai cru voir une goule. Alors, monsieur... Oula, lui, il est pas en bon état non plus. Hein. Okay. Ça veut dire que c'est le démon, non? S'il a une marque. There we go. Si je dis pas de bêtises. Me semble, hein. Attendez, on va aller voir dans le... Il me semble que c'est ça, hein. Je sais plus où je l'ai vu, ça, mais... Ah, c'est ça, hein. Donc c'est bien lui, le démon. Très bien. Vous êtes le démon. Ok, un espèce de dé. Une espèce de dé, pardon. Il y en a qu'un qui ressemble à ça, ce serait celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire déjà? Ah oui. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on est quand même obligé de finir de le... On doit quand même faire notre taf, même si on sait que c'est lui.
There we go. Hop là. All right. Il semble que là c'est... que c'est le liquide, si je dis pas de bêtises. Il a souri là ? Ah ouais ? Ah c'est subtil hein, j'ai pas vu moi. Mais en tout cas il a une marque sur la main donc ça peut être que lui. Il nous manque du gluta. Et où le gluta ? Ça peut être ça. Backrooms. So, little Raymond thinks he found a replacement. Another sacrifice to save his fucking skin. Donc tous les chemins mènent à Rome. Ah. Attends, il y avait un truc sur le crâne. Il y a un code. Le 4 en dernier. Ça se termine par 44. Même aller les voir dans l'ordre, ça n'a pas de logique. Il y en a un là. 9. Ok. 1970-44. C'est lui qui avait un truc dans la bouche. T'avais raison. Mais du coup, il faut que je les trouve tous, je pense. Je pense que le code me sert à rien au final. Ça me montre dans quelle famille il est. J'imagine. What the fuck? Okay. Je suis où là?
suis dans le jardin, quoi. À nous deux, jeune démon. On était où? On était au scalpel, je crois. Hein. Scalpel. Non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est ça. Et les tubes. Petit fil de tubes. Let's go. Du coup, il nous a montré dans quelle famille il était. Je pense. Un désolation. Non, pas sûr que c'est un rapport. Ah si, ça doit être celui-là. C'est Varicate. Je pense que c'est Varicate. Ça y ressemble en tout cas. Ok, j'y vais, je vais voir. God has left you. Oh oh. Eh, pas mal les jumpscares, j'aime bien. Hein. Bon travail. Non mon pote, c'est pas trop late. Comment ça, la porte est ouverte? C'est pas faux. Mais je sais que c'est toi, Varicate. Du coup, laissez-moi en regarder. Donc, il y a le 3 à gauche, le Z à droite, le D en bas. Ce serait ça du coup. Petite question con, mais est-ce que je suis obligé de finir de... Ou je peux dire avec le foot au bûcher? De toute façon, je crois que pour... Logiquement, faut finir le corps. Eh bien, on va finir le corps alors. On va mettre la marque ici. Poche de transfusion. J'aurais peut-être pas dû prendre la marque directe du coup. Pas grave, on va s'en sortir. Je commence à avoir le coup de main. Pas du tout. La preuve en est, je fais n'importe quoi. Ah, je peux la replacer. Nickel, merci beaucoup. Ça va, le dev a pensé à tout. C'est un bon le dev. Il me faut... Ça, je l'ai... C'est bon du coup. Ah,
En tout cas, ce jeu est très cool. J'étais un petit peu sceptique au début parce que les... Les commandes sont pas évidentes à prendre en main. Mais avec un peu de... huile de coude, ça se passe plutôt bien. Finalement. There we go. Il me semble qu'il faut que j'échappe, je chope le nettoyant là. Allez. Je t'ai entendu, mec. Pas à nous, pas à nous. Hydratant. Je vais te nettoyer le visage, ça va être parfait. I can't use that here. All right. Je sais que c'est toi cette fois-ci, je vais avoir la good ending. Is it over? It's never over. But you survived. What do you mean? Can I leave? I want to go home. You can leave. But once an entity finds you, all the houses of hell will do anything to get back to you. I'm sorry, but it doesn't end here. From now on, there is always a chance this will happen again. No matter where you are. I don't want this. I just want to leave. What do I do? I'm sorry, but there's no going back. I've spent years learning everything I can to keep these entities at bay. It's the only thing we can do. So what? You're waging some selfless holy war? It's not a war. It's survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger. But I don't do this for some greater good. We either face it, or fall to it. I wish I could claim to be someone better, suffering hell to save us all. But I simply want to live another day, just like everyone else. When I first experienced this, I had to make a choice. I could run and spend the rest of my days in fear, or I could learn to face it and keep some semblance of a normal life. Normal. Right. It's not a life I would want for anyone. But choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. So I'm offering you a different kind of job. Work the night shift. Learn what I know. Give yourself a chance at a life beyond fear. I don't know what you experienced.
but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. The choice is yours. I hope you come back. Let's go! On a eu la bonne ending. C'est beau.